Abi, il y a Didier Drogba, les sous-sous de la population, il n'a pas les sous-sous d'un président d'Akrom. Ça a oublié que Kerosene, il a échappé à le mode et accident à provenant de Yam Sokro. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. À toi, yo, pas où, c'est toujours le modérateur dans l'animation de les brèves de la modération. Abi, voilà. Nous tous, on savait que Didier Drogba, il a perdu hier. Didier, est-ce que vous êtes sûr que vous allez gagner aujourd'hui? Est-ce que vous m'avez demain? Toute la population disait qu'il veut. Le président d'Akrom disait qu'il ne veut pas. Toute la population disait que c'est Didier Drogba, il a le sous-sous. Le président d'Akrom disait que Drogba n'a pas le sous-sous. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit dans la bouche. Ils ont dit ça dans le une. Voilà, parce que quand ils ont voté là, Ligue 1, Drogba, il n'est pas gagné. Ligue 2, Drogba, il n'est pas gagné. Ligue 3, Drogba, il n'est pas gagné. Conclusion, Drogba, il a perdu les élections de le FIFA. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas président de la FIFA. Si vous comprenez bien, c'est-à-dire que le football ivoirien est la malade. Quand il venait, il disait qu'il va soigner le football. On disait que les joueurs de la Ligue 1 auraient payé 60 000. On dirait les TISO, on dirait les bonnes. Quelqu'un est venu, il disait qu'il va changer ça. Le président de la club disait que non, faut pas, il va changer. Que les joueurs n'ont qu'à rester TISO. Bon, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à rester dans vos problèmes. Félicitations à le nouveau président de l'UFIF, monsieur Idrissa Diarro. C'est qu'avant même, nous-mêmes, on ne connaissait pas l'élection de l'UFIF. On savait même pas qu'il existait. C'est à cause de Didier Drogba qu'on est connu. En même temps, on a vu les difficultés de les joueurs voiraient. Donc, toi, tu es à venir là. Au moins, il faut que Traka fasse une forte amélioration. Un peu, sorément. Voilà. En tout cas, Didier Drogba, courage dans toi. On t'a soutenu jusqu'au bout, mais tu n'es pas gagné. Bon, prise de paix que Damar. Nous, certains qu'on lui a appelé Kerosene, le voit autorisé. Voilà. Il a parti faire le soutenage dans Didier Drogba au Yam Sokro. Il a fini le soutenage, il était en train de venir à Abidjan. Voilà. Maintenant, c'est sur les lacs. Sur le route, Yam Sokro, Abidjan, qui est fort et accident. Tout son terrain ouvert, il a gâté. Mais prise de paix que Damar, il a sorti vivant. C'est là nous qu'il a grassé. Wow. Dieu merci, Raviva. Dieu merci pour Kerosene. Happy. Je suis le modérateur humoriste comédien.